marrant comme elle est claire. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Peut-être il n'y a pas assez d'énergie. Alors, tu voulais dire quelque chose? Oui. Quand, ici, on avait la planète Mars. Oui. Que on venait toutes les deux des États-Unis, mais ça se voit pas. Ah. On est venu avec notre valise. Alors dedans, on a une casquette très importante. Ici, le sac de survie. Des pieux. Le sac de survie. Des pieux. Puis des fois, on fait un petit peu d'escalade. Vous voulez donner un commentaire? Où est la planète Mars? Ah, regardez vous-même. Bah, trouvez-la. On fait ça comme ça. Elle est visible. Elle clignote. Elle clignote. C'est une étoile alors. Ah, si, elle scintille. Où c'est qu'elle m'a piqué la planète Mars? Je vous avais un peu éloigné. Ah, dans le. Ouais, dans le ciel, là où elle est. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien ça. Elle est rouge, elle a dû la faire rouge. Il y a des étoiles qui donnent une lumière rouge et d'autres une lumière bleue. Bah, Mars, c'est parce que Mars est pleine de fer. Ah. Et que le sang aussi, ça cause donc c'est pour le ça qu'il rouge. Est rouge. Mars est la planète du sang. Oui, absolument, elle a raison. Et ça, c'est balancé. Et alors là, hein? Mais ouais, ouais, ouais. J'ai balancé une phrase intelligente ce soir. Mais elle est très intelligente. Merci. Belle déduction. Donc la Mars, c'est la planète donc, du vent. De... Du vent? Du vent. Aussi du vent? Ah, il y a non, du vent ça, là-dessus? Un autre pigment. Un autre pigment? Mmh. La pigmentation est très importante sur la planète Mars. Pas à ce moment-là. Je vais lui expliquer quand même pourquoi le sang est rouge. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la culture à Genève déjà? Non.